Au revoir, Au revoir. Ferdinand. On dirait que c'est tombé de votre poche. Oui, je... Vous allez dire, je ne comprends pas. Si. Je comprends très bien. C'est vous qui l'avez mis. Oui. Attendez, je récapitule. Avant de montrer ce que vous aviez dans votre sac, vous avez... Puisque je vous dis oui, vous n'allez pas en faire un roman. Vous êtes du genre pinailleur, vous, hein? Comprenez-moi. J'ai pas tellement l'habitude des voleuses. Tant pis pour moi. Ben, il sortait de sa voiture, là, juste comme je rangeais la mienne. Il m'a souri. J'ai souri aussi. Il m'a tout de suite prise pour une putain. Ça m'a amusé. Il y a longtemps que tu voles? Oh non, parlons pas de ça. Dans 5 minutes, tu vas me reprocher plein de trucs et on va se disputer. Donc, quand on est ensemble, je veux qu'on soit heureux. Je te reproche rien. Je veux tout simplement comprendre. Tu crois que c'est utile? Tu sais, j'ai pas appris à voler au berceau. Hein. Je t'ai jamais dit que j'étais une enfant prodige. Tiens, faut que tu y penses au moins 3 jours. Claire, regarde-moi. Oh, rassure-toi, je ne volerai plus jamais. Tu me crois? Pardonne-moi. Et voilà. Ça vous amuse? Oh oui. Excusez-moi, mademoiselle. Non, c'est moi qui m'excuse, monsieur. Ah, merci, mademoiselle. Je vais travailler. Où ça? Au club 22. Qu'est-ce que tu vas faire au club 22? Venir le vestiaire? Vendre des cigarettes? Je passe en première partie. J'aurai même mon nom sur la façade. En petit, évidemment, mais enfin, il y sera. J'ai montré à Monsieur Kerman et à Hubert ce que je savais faire. Qu'est-ce que tu sais faire sans indiscrétion? Les poches. On dit que je suis profonde et légère, menteuse et sincère, et tout à la fois. On dit, mais on dit au fond tant de choses, bien malin qui ose voir clair dans tout ça. Quand je saurai qui je suis, je vous le dirai, c'est promis, c'est promis. Surtout chercher à comprendre si je suis trop tendre ou bien pas du tout. Vous vous y perdrez, je m'y perds moi-même et la vie m'emmène je ne sais où. Quand je saurai qui je suis, je vous le dirai, c'est promis, c'est promis. Le début. Demain, on répétera un peu ton entrée. Écoute pas, t'as été formidable. Non, c'est vous qui avez été formidable. Tu ne m'embrasses pas. Bon, je vais me changer. Tu me rejoins vite, hein? Une nouvelle vie commençait. Claire était heureuse. Et moi... C'est bien, non? Si un jour vous êtes fauché, elle pourra toujours faire les poches dans le métro.